en 2010. Plein centre-ville dans le vieux Blagnac, dans le village. Alors je suis ouvert du mardi au samedi, de 10h à 12h, de 14h à 19h. Alors tatouage sur rendez-vous, piercing sans rendez-vous le matin, sinon en fin d'après-midi. Voilà. À 80%, je fais du tatouage polynésien, je fais beaucoup de lettrage. Et après, je fais quand même quelques fleurs, quelques tribaux. Bon, ça remonte à longtemps. Pendant l'armée, j'étais en compagnie de beaucoup de Polynésiens. Et c'est leur statut, leur savoir-vivre, tout leur univers qui m'a plu. Et voilà. Un seul, un gros. Mon premier tatouage, j'avais 17 ans. Ça a été fait à l'ancienne, trois aiguilles, un bouchon et de l'encre de Chine. Voilà, tout simplement. Mes initiales. Qui a été recouvert deux ou trois fois par d'autres tatouages. C'est l'ensemble qui me plaît. Ça, y a aucun souci. Qui me tient à cœur, non, c'est l'ensemble. Je peux pas dire. Puis la symbolique, je la garde pour moi. Voilà. Par rapport à ma passion de tatouage polynésien, c'est sur le net, en faisant mes recherches. J'ai toujours voulu faire du tatouage polynésien. Donc en faisant des recherches sur internet, j'ai découvert Bernard. Et puis de fil en aiguille, j'ai vu qu'il faisait des formations. Et un beau jour, je me suis inscrit, et puis voilà, c'est venu comme ça. Alors, on a appris le système de réglage des machines et beaucoup de symbolique, quoi, surtout la symbolique. On travaillait beaucoup là-dessus. Bien réfléchir. Bien réfléchir, ne pas regarder les tatouages des autres, le faire pour soi.